Bonjour très chers abonnés de la chaîne secondaire, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Bon, il y a toujours des best-of de life, mais de vidéos comme ça, de vous à moi, je vous parle directement, c'est vrai que ça faisait un petit moment. Pardonnez-moi. Bref, aujourd'hui j'avais envie de m'intéresser à des jeux... J'ai pas réussi à le dire, je sais pas pourquoi c'est pas sorti. Mobile, mais dans une catégorie spécifique. Nous allons voir, pour tous les gens qui se sentent seuls, cette vidéo est faite pour vous. Je vous ai trouvé des super applications, des jeux où votre petit cœur va être rempli d'amour. C'est parti. Bienvenue sur Datemeister. Vous allez devenir les pros du swipe pour trouver l'amour. Je dis ça, mais c'est trop, ça n'a aucun rapport. Je vais voir de quoi ça parle. Prêt à faire des rencontres? Bah ouais, carrément, let's go. Donc je télécharge l'application, c'est drôle parce qu'en fait c'est Inception de... Waouh, on est franchement sur de l'Inception d'application. Ah, je suis en train de prendre une photo de moi. Oh, du coup je crée mon profil. D'accord, sur cette application de rencontres. Trop bien. Du coup, on part. Alors on va éviter la tête de dépressif. Ça va, tu vas pas pécho mon gars. Est-ce qu'on la joue? Non mais c'est quoi cette tête? Il est censé avoir la tête d'un mec coquin en mode tu veux jouer ce soir, bref, ou sinon non, ça va pas du tout en fait, cette tête là c'est la pire. Voilà, comme ça ça va, tu vois. Hey, franchement on peut pas faire mieux, on part pas franchement avec un gagnant, mais c'est pas grave, je préfère la tête un petit peu coquin, tu vois, que son sourire débile. Ah, on a des pubs, merci madame. Cool, je vais jouer au casino. Oh, je dois créer la fille de mes rêves. Oh. Alors, 42 ans, ça fait quand même un peu beaucoup, là, non? 42 ans, est-ce qu'il tape dans de la MILF? Yeah! Je sais pas quel âge il a, en fait, à choisir l'âge de la fille entre 18 et 30 ans. Je sais pas quel âge il a. Vas-y, on va partir sur du 25. 25, c'est cool. 25 ans, nice. On part sur... Ah, oh, mais qu'est-ce que je m'en fiche de ses cheveux? Ok, c'est ça, c'est pas mal. Partenaire potentiel. Mais attends, c'est vraiment la roulette, là? Je joue vraiment à la roulette russe pour trouver la femme de ma vie? Bon, moi, elle a les cheveux que je voulais. Alors, waouh! Match à 100%, nice. Je ne sais pas comment, mais c'est magique. Oh, je suis déjà en facecam avec elle. Alors, ok, ma mission, la convaincre de sortir avec vous. Du coup, moi, vous, tu comprends, tu vois. Mais par contre, c'est rapide et tout, là, on est déjà en facecam. Salut beauté, salut inconnu. J'aime pas le beauté, moi, tu me parles comme ça, je dis, c'est mort. Je dis salut inconnu, pour l'instant, on se connaît pas. Salut, tu as l'air vraiment cool. Bah, ça va, elle est plutôt simple. Tu es vraiment capable de twerker? Attendez, ne nous excitons pas. Je veux dire, dans le sens, ça se trouve, elle avait dit, dans sa description, je suis une pro du twerk ou une professeure de twerker. De twerkage, tu vois. Je veux en savoir plus à ton sujet. Non, on va jouer le mec cool. Je veux en savoir plus à ton sujet. Pas en mode twerk-moi sur le ventre, tu vois. Moi aussi. Ok, nice. Tu es libre demain, tu as envie de sortir? On pourrait quand même discuter un petit peu par message avant, non? Tu as envie de sortir? Déjà demande-lui, ouais, c'est une bonne idée. Je vais aller pub. Cirque, ciné, match de foot. Qui va au cirque pour un premier date? C'est chaud, non? C'est bizarre, cinéma. Moi, j'aime pas le cinéma au premier date parce que tu parles pas avec, du coup, t'as pas le temps de parler, t'es en train de regarder un film. Non, j'aime pas du tout. Tu peux pas découvrir la personne au cinéma, c'est chaud. Du coup, ça se joue entre le match de foot et le cirque. Demain, on va aller voir un cirque, je trouve ça très original, même si moi... Pff. Hamburger, sushi, pizza. Elle a envie de pizza. Je lis dans sa tête, vous avez vu? À 10h du mat? Qui a un rencard à 10h du matin, en fait? Mais meuf, non, le soir. J'insiste, madame. Let's go, du coup, nous sommes au cirque le soir. Hein? J'avais pas... Mais pourquoi me demander de faire des choix si au final je peux aller me faire foutre avec? Alors on a horreur, love story, crime. Vas-y, on va aller voir un truc du crime comme ça. Ça me donnera des idées pour l'enfermer dans ma cave. Je vais bien. Échec? Pourquoi? Ok, je crois que j'ai compris. Il y avait que deux films qui s'étaient affichés en haut. Donc je crois qu'on va aller voir celui de l'horreur. Parce que le matin, je voulais pas. À 1h de l'après-midi ou 3h? Ça n'a aucun sens. Vas-y, tant pis. De toute façon, ah, échec. Bah, je vais finir par y arriver, non? Donc en fait, on s'en bat les couilles de mon avis. On prend que celui de la meuf. Donc c'était 10h du matin. On va voir un film. Oui, bah apparemment, c'est bien ça. Choisir nos places. Je demande vraiment laquelle place je vais choisir en sachant que celle avec des petits cœurs me semble vachement celle qu'il faut choisir. Ok, d'accord. Bah, let's go, réserve maintenant. En fait, il n'y a qu'une banquette pour tout le cinéma, quoi. Rip, sinon les autres qui viennent en couple. Enfin, je suis au cinéma avec mon date. Appuyez pour lui tenir la main. Wow, où tu vas là? Où tu vas? T'as plus la main. Non, prends. Hey, tu manges un peu. Mange un peu. Non, pas le genou. Ah, j'ai réussi. Après le cinéma, go manger une bonne pizza. Enfin, une pizza, mais t'es mal à la gueule de la pizza. Elle est minuscule, mais c'est une pizza pour souris. Tu es sublime. Je n'arrive pas à détacher mon regard de toi. Ah bah merci madame. Ça me touche. Merci beaucoup. Comment aimes-tu tes pizzas? Mais qui s'en bat les couilles. Vas-y, bah choisis ma poule. Hein. Je suis végétarienne et j'adore les olives et le poivron. C'est un peu dur à digérer, mais oui, d'accord si tu veux. Alors du coup, on va lui prendre tout sauf ça. Bah là, écoute, ça a l'air d'être des olives et du poivron. On va l'écouter, la petite dame. Ah, la souris, elle sourit, elle sourit, elle souriait, je pense. C'est bon, madame a sa pizza, j'ai ma pizza. Donnez à manger à la fille. Mais on est où, là? Elle a quel âge? Elle a 3 ans, il faut un bavoir, elle peut pas manger toute seule? Mais c'est pas possible. Ah, elle est vénère. Échec. Sérieusement? Ok, bah écoutez, rebolote, je lui donne à bouffer, c'est ma fille. Elle est là, sa bouche. Voilà, t'es contente? C'est très romantique, hein.
Elle m'a fait un clin d'œil, ça devait être romantique, alors elle a vraiment kiffé. Elle aime peut-être quand les hommes la nourrissent, lui donnent la béquille, comme un petit piou-piou. Ok, nous sommes maintenant, j'espère, devant chez elle. C'était charmant, bof, j'ai connu mieux. Allez, c'était charmant, même si c'était très étrange de te donner à manger, mais bon. Merci pour tout, à bientôt. Est-ce que je peux entrer? Vas-y. Eh, on demande gentiment, est-ce que je peux entrer? C'est quoi cette pub? Mais attendez, c'est de l'agression, pourquoi il y a Zeus qui se mêle de mon date? Mais les pubs, c'est infâme! C'est infâme, t'as le malheur d'avoir un jeu gratuitement, mais en fait tu as gratuitement des pubs en fait. C'est ce que tu veux, gratuitement des pubs et un jeu de 5 secondes. On veut tous savoir si Kimberly a accepté que son date rentre chez elle. Elle a accepté! Nous avons un gagnant! Oui! Je suis fière de toi. Oh bah d'accord, bon bah, best date ever. Nice! Autre jeu, celui-là, ça vous a permis de vous entraîner avant d'avoir un vrai date, ok? Je vous conseille pas de donner la béquille à votre date, mais au final, peut-être qu'elle va aimer. Du coup, maintenant, dans ce deuxième jeu, le but est de trouver son petit ami idéal. Remplis ton profil. Je m'appelle Kimber. Juste Kim, plus loin Beurre, ouais. Âge. Oh, je rigole, je rigole. On va dire qu'elle aura 25 ans. Et ça sera comme moi, une balance. Caractère. Je suis une romantique. Je suis modeste. Je suis émotive. Je suis attentive. Je suis sociable et imprudente. Je serai un petit peu folle. Du coup, à tout moment, je valide s'il m'enferme dans une cave. Ça doit être ça. Trouvez un copain. Comparons vos intérêts. Cherchons un couple parfait. Vérifions s'il y a un anneau au doigt. Hein? Éliminons les trop vieux. Hein? Oh, le petit ami idéal pour toi, François. C'est une blague. Les vrais savent pourquoi je rigole. 18 ans. Ah ouais, non, mais c'est chaud quand même, j'ai 25 ans. Hein. Je fais mes études à l'université, mes frères, moi je travaille. Le week-end, j'aime sortir avec mes amis. Mon loisir préféré, c'est à regarder des séries télévisées. Veux-tu te joindre à moi? Mais il a 18 ans. Bon, ne nous arrêtons pas à l'âge, au moins il est majeur, on me fera pas chier. Faire connaissance, du coup, j'ai pas trop le choix. Parler de vos vies et de vos loisirs pour faire connaissance. Oh, je lui écris vraiment, bah, salut. Je peux lui envoyer ou pas? Oh, il m'écrit. Oh, c'est trop bien. Il est long par contre. Ah, ça y est. On est si cool ensemble et je serais très heureux si tu me donnes des étoiles. Il a 18 ans ou il a 11 ans en fait? Hé, toi, je suis si content que tu m'aies envoyé un message. J'ai eu une dure journée. Comment se passe ta journée si loin, belle? Hein? Oh, ce n'est pas grave, il n'a que 18 ans. Il a peut-être pas encore fini le CP. J'ai passé une bonne journée. Et toi, bébé? Je suis désolée. Hein? Ah non, mais c'est, là, là, c'est plus un problème de CP, là. Je suis désolée d'entendre parler de ta dure journée. Je vais bien, merci d'avoir demandé. Mais t'es con ou quoi? Tu as déjà 18 ans? Excusez-moi, c'est le pire petit copain au monde que j'ai. J'ai 25. Ok, je vois. J'espère que vous passez une bonne journée. Prends soin de toi. Je crois que je viens de me faire friendzoner en fait parce que j'avais 25 ans. Connard, tu sais pas ce que tu rates, je suis une femme d'expérience. Allons voir Florent et sa crinière de feu. J'ai un cadeau pour toi, open. C'est quoi? Faut ouvrir. M'envoyer des gifs chiens. Oh, c'est mignon. Regarde, moi je vais prendre le bébé, regarde. Moi je suis un petit chien Yoda. Florent sera plus sympa. Avez-vous déjà. On va tutoyer, il y a juste un problème de translate, voyez-vous. As-tu déjà vu un film Star Wars? C'est un film de science-fiction américain réalisé par James Cameron. C'est moi, t'as été sous ma gueule ou quoi? T'as été sur Wikipédia quoi? T'as été sur Wikipédia, trou de balle, hein? Au moins, il est réactif, tu vois. C'est pas comme un mec qui met 10 ans pour répondre. Florent, il est là, tu vois. Il est dans le game. Non, j'ai vu que le premier film de Star Wars, il est sorti en 1977. Mais t'as quel âge, en fait? Tu me fais peur. J'en ai un. Il était à peine majeur et lui, je sais pas quel âge il a, mais il est un peu trop vieux pour moi, là. T'as quel âge? Je suis jeune et beau. Mais c'est pas possible! Dis-moi ton âge. Je ne veux pas aller en prison. Je ne sais pas ce que vous entendez par là, mais je sais que Star Wars est l'une des franchises les plus populaires au monde. Ok, on a un fan hardcore de Star Wars et il veut parler que de ça en fait. C'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Mais même lui, ça va pas. Florent, ça ne va pas. Akira, il est mignon. J'ai un cadeau pour toi. Non, mais vas-y, vous me faites chier, vous avez pas de cadeau, vous êtes des mythos. Donc lui, c'est les gifs ou emoji pingouins, d'accord, nice. Me dis pas que c'est un obsédé des pingouins. T'as quel âge? Je rentre dans le tas. 22 et toi, ça va. Si je lui dis que j'ai 40 ans, j'ai 40 ans maintenant. Je suis née en 1943 et vous? Je suis pas une pro des maths, mais 1943, mon frère, t'es pas... t'as pas 40 ans, en fait. Mais t'es con. Tu m'as embrassé, bébé. Tes fantômes sont vraiment sauvages. J'ai perdu mon cerveau dans ce jeu. Jeu suivant. Ok, avoir un petit ami virtuel, c'était pas le bon plan du tout, donc essayons de noyer la solitude dans Love Sick. Belle espionne, tome 1. Continuez. J'ai pas commencé, mais ok, je continue avant même de commencer. Let's go. Ok, il faut un petit look, donc du coup, ça ira. Comment t'appelles-t-on? Bah, on part toujours sur Kimber. Wow, c'est moi, je trouve sublime, pas mal, mais j'aimerais essayer autre chose. Non, je suis sublime, je suis belle. On s'en fout. Retrouvons Kimber, PDG de la société Impôt Export. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Il est 8h passées lorsque tu passes la porte du QG de l'agence de détective privée.
privée pour laquelle tu travailles. Tu te dépêches de gagner le bureau de ton boss. Il est 8h, ça fait chier quoi. Jerry est non seulement ton manager à la tête de ton service, mais il est aussi ton mentor. Je suis sûr, c'est un beau gosse, mais pas tellement en fait. Quelle générosité de nous honorer de votre présence, de matin, Kimber. Pardon, Jerry, je suis un peu en retard de ce matin. Sans blague, j'ai une nouvelle mission pour vous. Ouh, Jerry, il est pas de bonne humeur. Jerry, il a pas sauté sa meuf hier. Oh, pardon. Il me tarde d'en savoir plus. Depuis la grande séparation, j'ai besoin de m'occuper. Quelle grande séparation? Mur de Berlin? Tu tressailles en repensant à ton ex qui t'a quitté le jour de ton anniversaire. Ah ouais, en plus, elle a un passé amoureux pourri le jour de ton anniversaire. Mais c'est tout simplement parce qu'il n'avait pas envie de te faire un cadeau, Kimber. Simon m'a quitté après un an parce qu'il préférait être avec quelqu'un de moins ambitieux. Non, mais ça veut dire quoi, franchement? Ouais, lolilol, PTDR, XCDDR, gros connard. C'est peut-être moi qui l'avais ajouté. Et quand tu repenses à tout ce que tu as investi dans cette relation, la douleur d'avoir été trahi te transperce le cœur. Voilà, je l'ai bien fait. C'était juste une vieille excuse pour se faire la malle. Écoutez, je sais que vous avez eu quelques problèmes personnels ces derniers temps. Mais je tiens à vous dire, détective, ne vous laissez pas abattre. Vous êtes une fille sacrément bonne, douée, et cet idiot ne sait pas ce qu'il perd. Je fais comme si l'inquiétude de Jerry était infondée. Hein? Je pleure sur son épaule, je la joue dure. Meuf, tu la joues dure! Sauf que le crétin en question m'a brisé le cœur. Il faut être fou pour vous laisser partir comme ça, détective. Pourquoi il m'appelle pas par mon prénom? Vous avez honte que je m'appelle Kimber? Oh, Jerry, peut-être super chou parfois. Cette mission pourrait, je ne sais pas, être un peu inconfortable pour vous. Bah, pourquoi dis ça? Il va falloir aller à un rendez-vous galant avec un type. Jerry, c'est quoi? C'est une mission Tinder ou comment ça se passe? Qui est-ce? Le suspect s'appelle John Riemann. Sur le papier, il semble normal. Il est manager dans une société d'assurance. Vous dites normal, je dis inintéressant. On a piégé le suspect sur un site de rencontre en utilisant des photos de vous comme appât. Sa femme le soupçonne d'être d'adultère. Pardon? Vous avez utilisé des photos à moi sans mon consentement? T'imagines, t'as ton patron qui dit ça, je suis morte. Mais FDP quoi, Burke? La dernière chose que j'ai envie de faire, c'est d'avoir un date, surtout avec un connard quoi. Il semblerait que votre manager inintéressant ne soit pas aussi inintéressant. Intéressant que ça. Eh bien, c'est ce que vous devez découvrir. Vous allez tenter de le séduire, le pousser à tromper sa femme afin que nous couffions. Oula, J'arrive pas à le dire. Afin que nous confirmions si ses soupçons sont fondés ou pas. Putain, mais paye mon... Mais je suis espionne ou je suis une détective de Lidl, quoi? Prête pour une telle mission, sitôt après ma rupture, impossible, je veux sa peau. Meuf, on mélange pas les boulots, ok? Si tu dois coucher avec ce mec de l'assurance pour le boulot, tu le fais, quoi. C'est Jerry qui le demande. Je veux sa peau. Si ce salaud la trompe, ce sera un plaisir d'être celle qui le démasque. Vous êtes une vraie pro, Kimber. Et je voudrais personne d'autre sur cette affaire. Voici tous les détails sur votre personnalité. Du moins, c'est ce qu'il croit. Je suis prête à être qui vous voulez, Jerry. Vous êtes une brillante étudiante en lettres de 15 ans, de 19 ans. Vous étudiez à la New York University. Vous aimez lire, vous emmitouflez dans un plaid quand il fait froid. C'est mal la vie de la meuf, quoi. Elle pue la merde. Du coup, faut que je vienne avec un plaid. Dis donc, vous y allez franco. Je suis surprise que vous m'ayez épargné les randos en pleine nature. Alors Kimber, on va se calmer tout de suite. Les randos, c'est super cool, ok? Non, je n'ai pas 40 ans d'âge mental. Les randos, c'est super sympa. En plus, tu fais du sport comme ça, tu vois du beau paysage, tu respires de l'air pur. T'as un problème, Kimber? Je n'ai pas terminé. Vous avez passé l'été dernier à Paris et venez de rentrer d'un échange universitaire au Canada. Vous vous appelez Kim? Coïncidence? Je ne crois pas. Burke. Ok, bien coincé comme il faut. Bah attends, pourquoi Burke, c'est ton prénom? J'aime pas ton prénom. Vous allez dîner avec le suspect au restaurant White Cuisine. Oh génial, la nouvelle adresse à la mode qui a ouvert la semaine dernière. Je n'ai aucune idée de ce qui est à la mode, mais je suis content de voir que ça vous parle. De quoi a-t-il l'air, ce type? Je vous laisse regarder. On dirait un petit peu Shakespeare, vous ne trouvez pas? John Riemann a l'air flippant. D'un coureur de jupons. Vous allez devoir l'impressionner. Ne débarquez pas en haillon si vous voulez séduire cet homme, haillon. Aucune envie de séduire un mec, mais je vais y arriver. Non, il ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Oh, j'ai perdu mon écouteur. Il ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Eh ouais, Kimber est dans la place. Allez vous mettre sur votre 31. Et soyez chez Haute Cuisine ou je sais pas quoi. À 20h précise, je serai pas loin en planque. Et n'oubliez pas, le but, c'est de le séduire. C'est primordial que vous soyez irrésistible et que vous le fassiez craquer. Oh, comment c'est horrible. J'ai l'impression qu'il l'a jusque sur son physique, en fait, alors qu'il y a le mental qui joue aussi dans la séduction. Entendu. J'y vais à poil. S'il y a bien une chose que j'adore dans mon travail, c'est tous les habits sublimes que j'ai à ma disposition. Paye ta tenue sublime, hein. Ok, je serai brune. Ah, nous sommes avec John, le seul et l'unique. C'est un plaisir de faire ta connaissance. Le plaisir est partagé. John te regarde avec approbation, d'accord? Je savais que je serais une bombe là-dedans. Bon, ça va là, dis donc. Bon, comment ça se finit ce truc? Ok, le resto s'est bien passé et maintenant on est direct chez John. Je comprends pas en fait, la mission, est-ce qu'elle s'arrête? C'est un moment où je vais vraiment devoir coucher avec lui en fait, juste pour la mission. Tu remarques soudainement la couverture, mon petit poney qu'il tient dans sa main. C'est une blague ou quoi? C'est quoi son
trip à lui. Mais pourquoi une peau de petit poney, tu fais peur? J'ai trouvé quelque chose de doux pour te tenir chaud. Mais nique-toi en fait. Attends, dis donc, j'ai cru comprendre que tu étais une petite coquine tout à l'heure. Waouh! Eh, je peux pas voir. Eh, Jerry là, c'est quoi ce taf de merde que je suis en train de faire là? Jerry, arrêtez de vous rigoler, venez m'aider. Je reconnais ce ton, le tigre s'apprête à bondir. C'est une phrase de détresse, ça, le tigre s'apprête à bondir. S'il vous plaît, venez m'aider. Il pose sa main sur ta cuisse et se met à lentement, hein, en caresser l'intérieur. La voix de Jerry résonne dans ton oreillette. Allez-y, mollo, détective, on y est presque. Non mais, je vais te dire un petit secret. J'adore jouer au papa avec les petites filles comme toi. Mais c'est quoi cette mission de merde? Et ça consiste en quoi? Comme un agneau à l'abattoir? Eh bien, ma petite, disons que tu n'as pas été sage du tout et que papa va devoir te donner une bonne leçon. C'est quoi ce jeu? Il illustre ses propos en agrippant soudainement l'intérieur de ta cuisse. Ah, ça me dégoûte, arrêtez de dire ma cuisse. Tu tressailles légèrement, mais tu gardes ton calme. Depuis quand tu as ces fantasmes sexuels, histoire que j'appelle les flics, en fait? Tu sens sa prise se relâcher et ses doigts s'approcher de plus en plus près de ta petite culotte. Mais est-ce que cette mission peut se terminer parce que je peux... Attendez, je rigolais là. On finit poli avec lui, hein. Depuis trop peu de temps, à mon goût. Mais j'ai bien assez d'expérience pour nous deux. D'expérience? Il y en a eu d'autres avant moi? Je suis sur le point de te choper, petit agneau. Continue comme ça et je vais bientôt pouvoir rentrer chez moi et rattraper mon retard sur Netflix. Oh mon petit bébé, je suis désolée de te le dire comme ça, mais j'aime bien le changement. Je m'ennuie vite, alors profitons-en tant qu'on peut, ok? Jerry, tu fais quoi là? J'ai vraiment pas envie que ce malade me saute dessus là. On le tient, détective. On a toutes les preuves dont on avait besoin. L'épouse de Rayman est en route, tenez-vous prête. C'est une caméra cachée en fait. La meuf, elle va arriver avec Jerry avec sa caméra. Surprise! Je ne se penche avidement vers toi pour t'embrasser. Tu t'as croqué comme un petit donut. À cet instant précis, la porte de l'appartement s'ouvre violemment. Mia Rayman entre d'un pas décisif. Jerry la suit de près. Comment t'as pu? Maudit pervers. Je pensais que j'étais la seule petite fille à son papa. Toi et moi, c'est fini, crois-moi. Et avec tes fantasmes de gros dégueulasse, si j'avais su, je t'aurais largué il y a bien longtemps. Mia gît son mari. Tu te lèves rapidement, soulagée que ton supplice soit enfin terminé. Mia se retourne ensuite vers toi. Son corps est tremblant de colère et ses joues mouillées de larmes. Détective, merci. Ne vous inquiétez pas, je n'ai fait que mon job. J'ai cru que j'allais y rester, mais ok. C'était une affaire rondement menée. Oh, on a cru que notre petite Kimber allait y laisser sa peau, mais finalement, non. Voilà, maintenant vous avez toutes les cartes en main pour passer un super date. On a appris beaucoup de choses. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve. Vous inquiétez pas sur cette chaîne secondaire, j'ai envie de vous dire très vite, mais non. Quand j'aurai le temps, en attendant, portez-vous bien, salut.